17h05. Parlons un peu du Red Bull Crash Ice qui se déroule le 24 janvier 2009. Ça va être diffusé sur les ondes de TVA. Croyez-le ou non, mais on a un bonhomme de la région qui va descendre. Le Red Bull Crash Ice. Il s'appelle André Givog. Il est en bout de ligne. Comment ça va, André? Ça va bien, toi? Ben, ça va correct. Explique-moi un peu d'abord pour les gens qui connaissent pas ça. C'est quoi l'événement, le Red Bull Crash Ice? Bon, le Red Bull Crash Ice, c'est un événement qui a lieu à la ville de Québec. C'est une rampe qui est 750 mètres de long. Les gars, ils descendent en patin avec une armure de l'équipement de hockey, puis ça va jusqu'à 70 km/h, puis il y a des obstacles tout de ce bloc-là. OK. Là, toi, es-tu un professionnel de ce type de sport? La façon que moi, j'ai rentré dans ça, c'est que Red Bull, ils ont fait un concours sur Internet, puis ils recherchaient un ouvreur de piste. Puis l'ouvreur de piste, c'est essentiellement, c'est le gars qui va descendre en premier, qui va ouvrir la piste pour tous les athlètes. OK. Fait que c'est un peu pour montrer cette année, ça a l'air, ils ont mis des obstacles dedans la piste, puis ils veulent montrer un peu au public comment que ben c'est difficile, puis à quoi s'attendre pour les athlètes. Okay. C'est un peu pour préparer le show, là, tu sais. Okay. Oh, t'es le warm-up act, là. T'es le show, t'es la première partie, toi, là. Oh, c'est ça. OK, mais là, toi, t'es-tu un professionnel avec des patins? Je veux dire, t'es-tu bon? Ben, je me débrouille pas mal assez bien. Je joue au hockey, ça fait super longtemps. J'ai toujours des patins, je fais du ski. C'est un mélange de tout ça mélangé ensemble. Fait que je pense pas avoir de problème. Ben, c'est très cool. Mais là, explique-moi, parce que le concours sur Facebook, il y a eu un problème au niveau de la langue, si je comprends bien, là. Oui! Qu'est-ce qui est arrivé, c'est que le concours, c'était un concours national qu'il y a eu sur Facebook. Puis ce qu'il demandait, Red Bull, c'était d'envoyer ton nom pour participation, pour c'est comme une vidéo, une entrée vidéo. Puis le gagnant, par vote, pouvait gagner pour aller au Red Bull Crash Test. Puis qu'est-ce qui est arrivé, c'est que toute la fin de semaine, tu sais, j'ai parlé à plein de monde, tous mes amis, ma famille, tout le monde, je connaissais. Et on a tous été fous, là, comme à pogner plein de votes. OK? Parce que j'ai fait les derniers 7 finalistes, là, c'est entre moi puis les autres gars. OK. Et qu'est-ce qui est arrivé, c'est que quand j'ai fait un print screen à l'écran d'ordinateur, on voyait que j'étais en première place. Je me réveillais le lendemain, j'ai un de mes chums qui m'appelle, puis il a dit, André, t'as pas gagné. Hein? Comment ça? Qu'est-ce qui se passe? Fait que là, je regarde partout, là, je laisse ça savoir toute mon équipe de personnes. Puis là, on réalise qu'il y a d'autres gens qui vont sur le site de Red Bull. Ça a l'air, il y a des commentaires sur le wall sur le Facebook, ouais. Qu'il y avait un système de votage anglais puis un français. Ah oh, non! Fait que qu'est-ce qui est arrivé, c'est que l'autre gars, il était au courant de ça, puis moi, j'étais pas au courant de ça. Puis fait que les autres, ils ont fait un total des votes. Ça veut dire que tous les autres qui pouvaient voter, ils ont voté deux fois. OK, je vois le genre. Oui, je vois le genre, là. Fait que là... Fait que là, au début, Red Bull, il voulait pas rien dire. Il voulait pas, comme il disait, écoute, t'as juste un gagnant qu'on peut avoir, puis il n'y a pas rien qui se passe, OK? Fait que là, mais après, il y a eu tellement de personnes qui ont fait des demandes, puis des plaintes, puis on regardait ça, puis on dit, écoute, ça n'a pas de bon sens. Le directeur de communication lui-même m'a téléphoné à la maison pour essayer qu'on puisse trouver une solution. Fait okay. que là, on est arrivé à la solution que j'allais ouvrir la piste vendredi soir. Donc, les autres, ils vont m'envoyer là-bas toute l'équipe. Ils vont prendre soin de moi, toute la VIP et tout. Puis, je vais ouvrir la piste le vendredi soir. OK. Mais là, je pense, avant t'offrir la piste, ils t'ont offert l'hôtel, tout le kit, puis t'aurais dit non. Ça se peut-tu, ça? Oui, mais au début, la première offre qu'ils avaient faite, c'était de juste aller là-bas à Québec. Puis, à cause, ils voulaient essayer d'accommoder les gens. Puis, ils disaient, pour des questions de logistique, on peut pas mettre les deux ouvreurs de piste en même temps parce que ça causerait des problèmes. Oui. OK? Parce que plus que tu mets une personne dessus, plus c'est dangereux. On déjà, s'entend. Tu vas 70 km, déjà qu'il y a des bosses, des obstacles, puis ça tourne partout, c'est super difficile. Fait que la première offre était, André, ce qu'on va faire de base, c'est qu'on va t'emmener, là-bas à Québec, puis on va juste, te couvrir toutes tes dépenses, on va une fin de semaine super tripante. Oh, ils vont te gâter. Dans le fond, tu peux pas aller sur la piste, par contre. Puis toi, t'as dit, J'ai dit, ça, c'est vraiment, c'est comme un agace, là, tu sais. fait que là, toi, tu vas être là le vendredi soir. On va pouvoir te voir à la télévision, puis tout, là. Oui. Wow! Ça, c'est qu'est-ce qu'on m'a dit, puis que j'allais participer le vendredi soir. Ils vont mettre mon vidéo sur le gros écran géant en avant de toutes les personnes qu'il va avoir. Puis, vendredi soir. Puis là, demain, ils viennent juste de me confirmer, ils m'ont envoyé mon billet d'avion, puis je pars demain soir. Puis, j'ai hâte, là. J'ai hâte de voir ça, mais là, tu peux pas vraiment t'entraîner pour une affaire de même, là. Non, parce que il n'y a pas d'autre place, parce qu'il y a des côtes en glace, là, tu sais, fait que ça va être vraiment la première fois. Ils m'ont annoncé que j'allais pouvoir faire une descente de pratique demain soir, juste pour faire ça, parce que
sais, tu vois, la première fois, t'as jamais descendu de ta vie, t'as aucune idée c'est quoi t'attendre. Surtout avec plein de monde. En tout cas, ça va être... Ça va péter le feu. Ben, en tout cas, on va suivre ça de près, André Givogue. Un gros merci. Bonne chance, mon ami. Ouais, c'est parfait. Puis moi, je remercie Red Bull. À cause de Red Bull, ils sont bien honnêtes, ils sont bien éthiques. Ils ont regardé à ça, ils ont vu qu'il y avait une erreur, puis ils ont accommodé. Je trouve ça super correct de leur part, puis j'admire ça d'eux autres. Bon, ben, c'est très cool. On suit ça. C'est 20h30 à TVA. Manquez pas ça le 24 janvier. André, un gros merci d'avoir pris le temps, puis bonne fin de soirée. Bon voyage demain. C'est parfait. Juste laisser savoir ceux qui veulent être au courant. Il y a un groupe sur Facebook avec André Givogue. Fait que les filles qui sont intéressées de rester au courant, je garde les nouvelles là-dessus. Bon, ben c'est parfait. Le message est passé. All right, c'est beau. Salut. Bye. Bye.